Supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau SNC en ce lundi de Pâques, lundi 1er avril 2024, en direct sur Twitch et sur YouTube. On n'oublie pas aussi de saluer en ce début d'émission tous ceux qui nous écoutent en podcast ou en replay. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Hein, de semaine en semaine, Karl nous fait le retour des statistiques et vous êtes toujours plus en plus nombreux. Et ça fait très très plaisir. Les bons résultats de la SS n'y sont peut-être pas pour rien. L'optimiste est de retour. On espère que vous avez bien profité de ce week-end prolongé et que vous n'avez pas frôlé l'indigestion en vous gavant de chocolat. Une chose est sûre, les Verts, eux, nous livrent depuis quelques semaines des prestations très faciles à digérer, très faciles à débriefer. Et celle de ce week-end n'a pas fait exception. D'ailleurs, comme on parle de nourriture, il nous fallait autour de la table le cuistot de la bande qui nous a concocté de belles punchlines saupoudrées d'optimisme. C'est Hervé, comment ça va, mon cher Hervé ? Hervé, est-ce que tu m'entends ? On a perdu Hervé. Ça, c'est dommage. On va revenir sur lui. De l'autre côté du ring, il ne nous a pas posé de lapin de Pâques et il va nous régaler de ses analyses toujours plus pertinentes. C'est Elias. Comment ça va, Elias ? Salut, Kevin. Ça va et toi ? Tu as mangé Hervé ? Ouais, je crois bien. Il portait disparu. Hervé, il y avait trop de bonnes choses qui se passent avec Saint-Té depuis lundi. On a fait un bon before et je crois qu'il s'est endormi depuis. Ouais, il nous avait dit qu'il s'était un peu assoupli sur la deuxième mi-temps du match, mais apparemment il y a des restes. Hervé s'est peut-être un peu trop gavé de chocolat ce week-end. Avant de revenir sur Hervé, si un jour il revient, il en reste un, vous le connaissez, il est doux, sucré, mais en abusé, peut être écœurant. Ce n'est pas un œuf Kinder, il arrive avec ses cheveux couleur cacao, c'est bien Karl, pour s'occuper de vos messages dans le chat. Comment ça va, Karl ? T'es vraiment un salopard, il y a toujours une pique par-ci par-là, mais écoute, salut Kevin, salut Elias, et puis salut Hervé, si tu reviens, et puis salut le chat. Mais, j'aimerais juste, finalement... rétablir une vérité, parce que je trouve que j'ai fait preuve de beaucoup de diffamation de votre part. Je ne suis plus le chat noir de l'équipe, puisque j'ai fait 10 matchs de Saint-Té cette saison, j'ai vu qu'une défaite à Annecy en début de saison, et depuis, c'est que des victoires ou que des nuls. Donc je vous prie, à vous tous qui m'écoutez, d'arrêter ce lynchage médiatique. Merci. Très bien, très bien. Nous en référerons à notre ligne éditoriale, savoir si nous changeons notre fusil d'épaule. Hervé, quand tu m'entendras, fais-moi signe. Parle-nous, Hervé, dès que tu reviens. Je sais que Karl et le back-office s'agitent déjà pour essayer de retrouver Hervé, qui est peut-être perdu dans les travées de Geoffroy, mais le match n'est que le week-end prochain. Hervé, tu peux revenir. On va pouvoir, en attendant, Elias, j'espère que tu as beaucoup de choses à dire, puisque pour l'instant, tu es tout seul pour débriefer le match de ce week-end. Active Saint-Té Night Club. Il y a pas mal de choses à dire. Le débrief. Allez, mon Elias, encore une victoire, ça commence à faire beaucoup. Et, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match ? Ah, mais Hervé, Hervé... Ah, pardon. Hervé, il revient. Vous l'avez entendu, celui-là ? On l'a entendu, on l'a entendu. Il était beau. On sent toute la difficulté de la technique. Pardon. Hervé, je t'ai présenté, t'as même pas entendu mon intro, je t'avais concocté. Si, j'ai tout entendu. Je te remercie, je salue bien évidemment tout le monde, mes comparses du soir, le public dans le chat. Je vais t'expliquer justement que le menu du week-end avait démarré très très bien et qu'il avait terminé un petit peu moins bien, mais qu'on était quand même sur quelque chose de très positif.
du positif, comme je le disais, sur le match de ce week-end, on va en avoir à retrouver, mais peut-être moins que les autres fois. Les Stéphanois ont fait le nécessaire, si je puis dire, ont fait le service minimum, si on reste dans le thème de la cuisine. Une victoire à Valenciennes 2-0. Elias, la main était à toi, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match dans les grandes longueurs ? Bon, c'était un match très moyen, mais comme je le disais avant l'émission, pour avoir un bon match, il faut être deux. Après, on va retenir la victoire parce qu'on reste sur une belle série. On continue de grappiller des places et enfin des points sur nos adversaires. On était même deuxième le temps de 2 heures, 3 heures. Donc voilà. Après, niveau jeu, il y a eu beaucoup de choses imparfaites et qu'il faudra corriger si on veut faire un gros sprint final pour finir très fort le championnat. C'est vrai ça, c'est vrai qu'il va y avoir du bon et du moins bon, c'est l'avantage, c'est qu'on ne va pas voir l'émission passer. Hervé, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match ? Tu m'as dit qu'en deuxième mi-temps c'était plus compliqué pour toi. Ouais, deuxième mi-temps, la digestion étant là, petite période de sieste. Après, c'est peut-être un des tout premiers matchs où on peut se dire... Alors, le fait que Saint-Étienne joue une mi-temps sur deux, ce n'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est le cas depuis... Depuis un petit moment. Là, sur ce match-là, c'est peut-être un des premiers matchs où on peut se dire qu'ils étaient vraiment en gestion, qu'ils n'ont pas poussé. Deux buts d'avance à la mi-temps, un adversaire assez peu dangereux. Donc, allez, peut-être que les joueurs se sont dit physiquement, on va un petit peu s'économiser, on ne va pas trop se livrer. Et donc, voilà, au final, ça a donné avec un adversaire qui lui aussi était... peut-être dans une forme de gestion par rapport à l'échéance Coupe de France qui les attend cette semaine. Donc voilà, la deuxième mi-temps, c'était un petit peu un score qui paraissait acquis. Valenciennes savait qu'ils n'arriveraient pas à retourner la vapeur. Saint-Étienne savait que les 3 points ne pouvaient pas leur échapper. Donc voilà, match deuxième mi-temps, en tout cas très, très tristoune. Mais bon, quand on le fait ça en ayant 2 buts d'avance... voilà, on va leur pardonner pour ce match-là, quoi. Ça ressemblait quand même à un match piège, pourtant, avant ce match Hervé. Mais comme tu l'as dit, on a su se mettre à l'abri assez vite. Est-ce que... Vas-y. Ouais, voilà, match piège, parce que là, on est dans une position maintenant où on va aborder tous les matchs en étant favori, même si on a quelques belles affiches encore qui s'offrent à nous sur les 8 derniers matchs. On va avoir cette étiquette de favori, encore plus que par le passé. Là, on avait tout pour, effectivement, aller se casser la figure, entre guillemets, à Valenciennes, même si eux avancent plus du tout et depuis de nombreuses semaines, et que la relégation pour eux en national est quasi acté. Malgré tout, on a réussi, voilà, à être efficace. Je ne vais pas dire qu'on met les 2 buts sur nos 2 seules occasions, mais presque. Non. Le fait, en plus, de leur mettre un but comme ça sur coup de pied arrêté, ça aussi, c'est une arme maintenant qu'on a à disposition. Donc, on a fait un petit peu, voilà, notre petit récital, je dirais, de favoris et d'équipes du haut de classement qui rencontrent une équipe très faible du bas de classement. On a été présent dans les duels dès le départ, on a réussi à mettre le pied sur le ballon, à avoir de bonnes ressorties de balles, et puis sur quasiment un des premiers coups de pied arrêtés, on leur met comme ça le coup de poignard, entre guillemets. Ouais. Voilà, plus un beau but également de Sissoko sur un beau débordement de Masson. Donc ce qu'il y a à retenir, moi je trouve, de cette première mi-temps, c'est que les hommes forts et ce qui fait notre solidité depuis quelques matchs ont été là. Chambaud à la baguette, puis sur le corner, Cardona, Sissoko buteur, Masson passeur. Donc voilà, on a réussi à vraiment marquer cette première mi-temps de ce qui fait notre force depuis pas mal de temps. C'est une victoire également à l'extérieur, faut pas non plus obérer ça. Mais oui. Même si sur cette journée de Ligue 2, il n'y a pas eu une seule victoire à domicile, mais nous on prend énormément de points à l'extérieur. Donc voilà, on est resté un petit peu sur notre fait, mais en tout cas... En tout cas, le résultat est là, donc c'est vraiment ce qui compte. Hein. C'est vrai. C'est vrai que ça avait l'air de piège à l'extérieur contre une équipe qui jouait peut-être une de ses dernières cartouches pour espérer un maintien. Mathématiquement, c'est encore faisable pour Valenciennes, mais ça va être très très compliqué. Ils accusent déjà 16 points de retard sur l'avant-dernier.
Donc ça va être dur pour eux. Elias, toi, tu sens que ce piège, on a su le déjouer à l'expérience un peu, en faisant jouer nos atouts? Ouais, alors, il y a une chose sur laquelle je rejoins Hervé, et ça va être quelque chose d'important, je trouve, sur cette fin de saison. Parce que, à part Concarneau et le dernier match QRM, on va rencontrer des adversaires assez solides quand même. Et je trouve qu'on devient de plus en plus efficace sur les coups de pied arrêtés. Hervé en a très bien parlé. Et en fait, on sait que les matchs, ça se joue sur des détails. Et si on arrive à être performant sur cette phase de jeu, ça peut être très intéressant pour la suite. Surtout qu'on va rencontrer, comme j'ai dit, des adversaires solides. Et il se peut que les matchs vont être très serrés. Et débloquer des situations sur coup de pied arrêté, ça peut être un gros avantage. Après, sur la première mi-temps, moi, j'ai quand même beaucoup de réserves. Je trouve qu'il y a eu pas mal d'écart entre les lignes. Je trouvais que le bloc était coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de notre équipe qui attaquait, donc Chambos, Cardona, Mbuku, Sissoko, qui était très porté vers l'offensif, Mouefek aussi, et que l'autre partie restait très basse, notamment les défenseurs centraux, Briançon, Nadé, et Tardieu a un peu eu de mal à faire ce liant et couvrir beaucoup d'espace, c'est pas trop ses qualités. Et j'ai trouvé qu'en fait, on est tombé sur un adversaire assez faible, qui a très mal exploité ses phases de jeu, de transition, mais il y avait des espaces assez important, et il faudra faire attention quand on va tomber sur des adversaires un peu plus robustes. Après, l'avantage qu'on a eu, enfin l'avantage, la bonne chose qu'on a faite, c'est d'enfoncer le clou juste avant la mi-temps et de se mettre à l'abri. Ouais, et ensuite, on a suggéré. 1-0, c'était à la mi-temps, c'était peut-être pas la même chanson en effet. Ouais, tout à fait, surtout que Valenciennes revient avec des bonnes intentions au début de deuxième période, mais le problème c'est que tu les éteins vite parce qu'il y a 2-0 et ils n'arrivent pas à emballer le match, donc ils n'arrivent pas à mettre un but rapidement. Donc derrière, ils se disent, bon, bah, on doit jouer la Coupe de France. Nous, on se dit, bon, bah, autant gérer, être tranquille pour ces matchs-là, parce qu'on a un mois d'avril, mai assez chargé. Donc voilà. Mais il faudra faire attention et être un peu plus compact, jouer plus en bloc, parce que ça peut être... on l'a vu à l'époque de Batless, où on se faisait trouver sur chaque transition, et ça peut vite redevenir une phase de jeu où on devient défaillant, quoi. C'est clair. Avant qu'on passe un petit peu aux invités. Moi, juste, pardon, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Elias, le rôle de Tardieu, justement, moi, pour le coup, Tardieu, quand on est un petit peu sous pression, même si ça n'a pas été vraiment le cas ce week-end, quand il faut ressortir les ballons et qu'on ne veut pas balancer, qu'on veut ressortir propre, pour moi, Tardieu amène de la sérénité dans cette phase-là. Il est souvent le premier joueur que les centraux vont trouver et il va réussir, voilà, soit garder le ballon parce qu'il y a une faute sur lui ou parce qu'il va arriver à un petit peu trouver la bonne passe dans le bon tempo, etc. Donc là-dessus, très bien, mais effectivement, ça le fait jouer beaucoup plus bas que mon conduit, qui lui, pour le coup, me donne un petit peu moins de sérénité sur les premières touches de balle s'il est très bas sur le terrain. Parce qu'à tout moment, il peut se faire prendre. Et puis, il a quand même cette tendance, lui, à se rouler par terre et à obtenir beaucoup moins de fautes que va en obtenir Tardieu. Par contre, effectivement, mon conduit sur le terrain, je pense que si on avait un petit peu les cams isolés, c'est un joueur, par rapport à Tardieu, poste pour poste, qui va évoluer 5, 6, 7, allez, peut-être 10 petits mètres plus haut que Tardieu. Et effectivement, ça donne une impression de bloc beaucoup plus compact, beaucoup plus haut sur le terrain et une relation défense-attaque qui est un petit peu plus fluide avec mon conduit que ce qu'elle n'est avec Tardieu. Donc Tardieu, techniquement, sur les premières relances, à mon avis, a l'avantage sur mon conduit. Par contre, sur le fait d'accompagner les actions, d'être un petit peu plus haut sur le terrain, mon conduit a un petit peu plus à faire valoir, je pense, que Tardieu. Et puis, il y a des qualités différentes sur la mobilité. Mon conduit, même si ça reste un joueur pas très mobile, il a beaucoup plus de mobilité que Tardieu. Il est capable de couvrir plus d'espace et de le faire bien mieux, de courir plus vite, plus longtemps, etc. Tardieu, c'est plus un pivot, un joueur positionnel qui va couvrir peu d'espace, mais comme l'a très bien dit Hervé, qui va ressortir très proprement les ballons sous pression face à des équipes qui vont nous imposer un gros pressing. Je ne sais pas si on en aura jusqu'à la fin, peut-être. Peut-être Bordeaux ou quelque chose comme ça. Mais Tardieu va être un point clé pour ressortir proprement ses ballons et jouer ce qu'on appelle des semi-transitions, c'est-à-dire que tu ressors propre, tu as cassé la pression adverse et derrière, tu as beaucoup d'espace, quoi. Alors que mon conduit va être moins capable de faire ça. Par contre, mon conduit va être plus capable de couvrir des espaces, surtout les espaces latéraux et verticaux.
Ok, gardez-en un petit peu sur Tardieu et on abordera aussi. Abordera. Vous pouvez commencer déjà dans le chat et vous, les gars, à réfléchir. Parce qu'on va parler un peu du turnover, du semi-turnover qu'il y a eu entre Tardieu, Briançon et Mboku, qui ont tous les trois montré des très belles choses. Mais avant ça, je veux savoir ce que le chat et nos auditeurs ont pensé du match. Karl, donc je te laisse la main. Oui, bah écoute, on va faire d'abord un petit tour du côté de YouTube, avec notamment Wolf74 qui nous dit que le caillou dans la chaussure, c'est la victoire d'Angers, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et il y a Yannick qui nous dit que c'est la première des 9 dernières finales a été gagnée sans trop forcer, donc c'est le principal. Du côté de Twitch, il y a Patrice qui nous dit que la première mi-temps n'est pas trop mauvaise, mais la deuxième est sans envie, et là pour le moins contrarié, il ne faut pas rééditer, sinon ça ne passera pas. Il y a Joe42 qui est plus... clair et qui dit que Saint-Etienne a juste géré un match contre une équipe faible, selon lui. Ça part dans les individualités, après ça cite des pétros un peu limites, etc. Mais il y a Piazza qui nous dit match géré et seul le résultat compte. C'est dans la même veine pour Nico qui nous dit qu'il n'y a que le résultat qui compte. Et après ça commence à parler, ça enchaîne avec des chambos, on nous dit que le clean sheet est encore important. C'est le 15e de la saison, c'est à noter. Pour moi, le seul hic de la partie, c'est la suspension de Masson à Ajaccio. Ça, c'était Milano qui nous le dit, parce qu'il a chopé son 3e carton jaune dans l'espace de 10 matchs. Leila Red qui note que c'est la grande nouveauté, c'est qu'on sait tirer les corners. Incroyable le taf de ce coach. Voilà, c'est assez le sentiment collectif, et évidemment du soulagement, parce qu'on a passé ce match piège. Mais à ne pas rééditer la même performance à l'avenir, parce que ça pourrait ne pas passer la prochaine fois. C'est vrai. Voilà. Merci Karl, c'est vrai, le chat a peut-être raison. Avant de passer aux trois individualités que je vous ai énoncées, messieurs, on pourrait peut-être parler de ça. C'est vrai, c'était peut-être pas au programme, mais c'est un bon sujet. Les coups de pied arrêtés, quand on voit ce qui se passe depuis quand même quelques matchs où ils sont quand même vachement mieux exploités, on pourrait penser que soit on les bosse vraiment beaucoup plus maintenant, soit en fait on les bossait pas du tout avant, Elias. Je sais pas si on les bossait pas avant, mais en tout cas, je trouve qu'on devient extrêmement dangereux, et même sur coup franc direct. Ouais. Chambon, on a mis 2 là en l'espace de quoi, 2 mois, même pas. Alors que je crois sur les 2 dernières saisons, il y a un coup franc de Cafaro cette saison à Geoffroy Guichard, et l'année dernière, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait 1 ou 2. Mais oui, après, comme je l'ai dit, ça va être une arme assez importante, surtout que là, au mois de. À part Concarneau et QRM, le reste, c'est des adversaires assez solides, malgré leur classement. Mais on va jouer des adversaires où il faudra rien laisser sur le côté. Et donc, avoir des petits détails en notre faveur, c'est très important. Et peut-être qu'on gagnera des matchs sur coup de pied arrêté. Et moi, je m'en satisferais si on arrive à monter avec ça. Franchement, moi, si on gagne tous nos derniers matchs 1-0 sur un vieux coup franc de raccro... avec un cafouillage dans les 6 mètres, moi ça me va. Hein. Hervé, toi tu penses, je vais étendre le débat un petit peu plus loin, avant de revenir sur les 3 que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que aussi cette nouvelle aptitude à exploiter les coups de pied arrêtés vient aussi de la mise en confiance de Chambos et dans une moindre mesure aussi de Cafaro qui sait les taper aussi? Bah, y a ça de toute façon, parce qu'il faut quand même que soit tiré, à défaut d'arriver pile sur la tête de l'attaquant ou du joueur dans la surface, il faut quand même aussi que ce soit tiré dans une bonne zone. Partant de ce principe-là, ce qui fait que la bonne zone devient zone décisive, ça va être le déplacement des joueurs dans la surface, et en l'occurrence des attaquants. Cardona, on voit que le fait d'arriver de loin, un appel un petit peu en diagonale, et de dévier voilà, au premier poteau, on voit que c'est quelque chose lui avec lequel il est à l'aise. Il y avait d'ailleurs eu un corner. Tu penses au but de Nadé peut-être. Voilà, qui est refusé, où on voit que Cardona vient, coupe au premier poteau. La position de son corps fait qu'il ne peut pas jouer la balle directe, mais il l'a remise vers le second poteau. Bon, Nadé fait un super geste, malheureusement oui. C'est hors jeu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a les deux. Il y a une mise en confiance des tireurs, effectivement, même des 3, je dirais. Il y a du travail à l'entraînement qui est fait. Parce que ça peut pas être le fruit du hasard quand ça se répète comme ça. Et il y a quand même malgré tout le déplacement des joueurs dans la surface qui fait que, je le répète, quelque chose de bien tiré dans la zone devient quelque chose de décisif. Et après, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Elias, à partir du moment où on garde notre solidité défensive et sur coup de pied arrêté,
Je vais peut-être pas aller jusqu'à dire qu'on peut marquer à tout instant, mais presque. Effectivement, ça devient à Saint-Etienne un adversaire redoutable pour toutes les équipes et de toute façon redouté. Quand vous mettez des buts sur un corner, sur coup franc, et que derrière vous prenez pas de but, et ben voilà, on sait que ça peut effectivement faire des matchs gagnés 1-0, dans la douleur ou pas, mais en tout cas, voilà, là, on met un des deux buts sur coup de pied arrêté, on sort du match avec une victoire 2-0 qui souffre aucune contestation. Admettons, on n'aurait pas été aussi agile et habile sur coup de pied arrêté. On sort avec un but à zéro et peut-être que ça ne fait pas pareil en deuxième mi-temps. Et peut-être qu'on n'a pas la vue d'ensemble tout à fait pareil sur le match, quoi. Ouais. Si je peux rajouter un truc, Hervé il a dit une chose très importante et très, très juste. C'est le jeu sans ballon de Cardona, ouais, qui est vraiment incroyable. Il y a des déplacements dans la surface notamment qui sont très, très justes. Et là, c'est son, je crois, deuxième but sur coup de pied arrêté. Il a mis la tête à Angers, il me semble. Mm. Et là, le but sur corner, il a un timing de saut, une détente, un jeu de tête super top pour un joueur qui n'a pas un gabarit non plus, qui fait pas 1m90. Quand on le regarde, on dirait pas que c'est un joueur de très bon de la tête. Et pourtant, il l'est. Et il a des déplacements dans la surface qui sont top. Et là, on voit la différence entre un joueur qui a un niveau presque Ligue 1, on va dire, des autres, quoi. C'est vrai, sa capacité à se démarquer, elle est impressionnante. Ouais, tout à fait. Sur trois appuis, il est déjà 2 mètres devant son dernier défenseur. Mais on va revenir aux trois petits potes que je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui font partie du turnover, parce que pendant longtemps, on a dit ici aussi, hein, qu'avec Nadé en pleine forme et battu, qui revenait bien, on allait potentiellement plus ou moins voir Briançon. Le fait est qu'il a joué ce week-end et il a plutôt bien suppléé. Vous avez déjà parlé un petit peu de Tardieu. Et on a aussi Mboukou qui normalement est plus un rôle de super sub, de dynamiteur de défense en fin de match, qui là a été titulaire. Il a plutôt montré de belles choses aussi. Donc sur ces deux, sur les deux qui restent, sur Tardieu, Briançon et Mboukou, qu'est-ce que tu en as pensé, Elias? Et à quel point là, le fait que des joueurs puissent sortir du banc et donner le change aussi bien que les titulaires habituels va être déterminant pour la fin de saison? Ça crée de la concurrence, en fait, ça va créer une émulation positive. C'est-à-dire que, en fait, là, il y a pas pratiquement peu de places qui sont garanties à titulaires, si, quelques-unes. Mais on voit que Mboukou titulaire, Cafaro sur le banc, ça marche. Quand Cafaro était titulaire, Mboukou sur le banc, ça a marché aussi. Donc, en fait, ça va tirer l'équipe vers le haut, ça. Là, pareil, moi, j'étais surpris de la titularisation de Briançon. Après, ça reste le capitaine de l'équipe. Donc, on peut se dire, non, c'est normal qu'il revienne. Mais quand même, la semaine dernière, il était sur le banc. Toubinsi Kanadé avait fait... La paire avait fait un très gros match. Et en fait, non, on réintègre Briançon et il fait un match de papa aussi. Donc, on voit qu'en fait, c'est tout un groupe qui est concerné. Et ça, c'est génial. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a aussi des bons résultats. On sent déjà qu'après, même quand on n'avait pas de bons résultats, je trouvais que l'ambiance collective... On voit des choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça représente rien pour certains, mais quand même, on voit que le groupe est assez solidaire. Et en fait, il y a une solidarité au niveau, on va dire, copinage, etc. Mais en plus, sur le terrain, en fait, il y a une émulation positive. Et pour la fin de saison, ça va être génial. On crée une dynamique positive. Donc, à voir si ça continue. Et il faudra faire attention si on a un faux pas derrière aussi. À la moindre défaite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura un rebond ou pas? Il y a ça qui reste un petit inconnu, mais pour l'instant, c'est que du positif d'avoir une rotation à 14-15 joueurs qui est performante. Hervé, je sais que tu as des choses à dire aussi sur ce sujet de la profondeur de banc. Dis donc, ce qui se passe là, c'est-à-dire on sort un joueur par ligne, finalement, hein, un des deux centraux, un milieu def et un ailier offensif. Et on se retrouve avec au moins sur une mi-temps, on va tempérer quand même, au moins sur une mi-temps avec un niveau de jeu à peu près égal à ce qu'on fait depuis le redressement un petit peu fou de ces dernières semaines. J'ai envie de dire, c'est quelque chose en fait, de par notre position, de par nos objectifs en début de saison, à savoir la montée, c'est quelque chose en fait qui aurait dû être normal. Malheureusement, vu le début de saison, vu la période un petit peu qui a vu Laurent Batless être remercié, on n'avait pas cette émulation là dans le groupe. Dès qu'on avait un titulaire avec des résultats moyens qui était absent, on tremblait.
À l'époque, en plus, pour le coup, c'est quelqu'un qui a un petit peu disparu des radars, c'était Bouchoirie. Dès qu'on faisait un match en Bouchoirie, on avait l'impression que c'était la fin du monde et qu'on allait en prendre 6. Donc ce qui se passe aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça aurait dû être normal. Alors ça devient normal à 10 journées de la fin ou un petit peu moins, mais en tout cas, c'est, je dirais, l'obligation pour une équipe qui veut monter de Ligue 2 en Ligue 1 d'avoir une profondeur de banc d'au moins un joueur par ligne, parce qu'on sait qu'il y a des blessures, il y a des suspensions, il y a des méformes, il y a des joueurs qui ont besoin également d'être concurrencés. Mboukou qui arrive et qui est décisif assez rapidement, comme par hasard, Cafaro se met à jouer au foot. Donc ça aussi, c'est important dans ce sens-là. Donc voilà, moi je suis ravi de cette émulation, comme l'a très bien dit Elias. Je suis ravi de voir que quand des joueurs rentrent après quelques semaines à être sur le banc, bah, ils deviennent vite performants, ils se fondent vite dans le moule et on n'a pas l'impression qu'il y a eu tant de changements que ça. Alors, avec des qualités propres à chacun, on l'a déjà dit pour Tardieu Monconduit par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui doit être normal quand on joue le haut du tableau et quand on veut accéder à la Ligue 1 et qu'on veut être promu. C'est juste normal d'avoir un banc qui peut fournir au moins trois joueurs de niveau égal au 11. Et oui, ça évite que les pseudo-titulaires jouent en pantoufle. Ce qui a été le cas trop longtemps, oui, ça c'est clair. C'est clair. Vas-y, Léa. Si je peux rajouter un truc, Hervé, il a totalement d'accord, mais n'empêche que demain, si on loupe la montée, ce que j'espère pas, ça nous laisse à penser qu'on a perdu 6 mois quand même. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait dit un peu la saison dernière, qu'il fallait renforcer à l'été, avoir un groupe de 14-15 joueurs très performants pour apporter de la concurrence sur des postes clés et pouvoir créer cette émulsion, comme on disait, et ben, on a perdu 6 mois et on se retrouve à 6 mois à devoir sprinter. Et j'espère qu'on ne craquera pas sur la fin. Ou alors que si Angers fait le taf et que nous, on fait le taf, Angers sera devant nous, Auxerre sera devant nous, s'ils font le taf aussi, et on n'aura qu'à se mordre les doigts. Donc ça laisse un goût amer quand même, cette fin de saison. Ça nous crée, on va dire, une plus grosse attente. Enfin, on est tous enthousiastes par rapport à cette fin de saison, mais on se dit quand même, mince, on a perdu 6 mois, on pourrait être en tête de la Ligue 2, exploser tout le monde, si on avait bien travaillé cet été, quoi. C'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup dans le chat. On a perdu 6 mois, alors ce qui revient beaucoup c'est Batless, hein, évidemment, du temps qu'on aurait perdu avec Batless. Alors est-ce que, faut faire attention quand on réécrit l'histoire, parce que est-ce que si on avait changé l'été dernier, on en serait, la dynamique avec Dalloglio ou un autre aurait été identique à celle qu'on veut vivre en ce moment. C'est toujours difficile de réécrire l'histoire, mais il y en a un qui va nous réécrire les messages du chat et nous narrer les messages du chat, c'est Karl. Qu'est-ce qui se dit sur ce turnover de Dalloglio? Écoute, ça parle d'individualité, évidemment. Alors évidemment, comme tu viens de le dire, il y a Jo42 qui renchérit sur Batless, évidemment, qui nous dit que Batless n'avait tout simplement pas géré un groupe selon lui. Mais sinon, il y a Thémy Lano qui nous dit qu'il a été surpris de la titularisation de Briançon. Mais il a vraiment fait un match de patron, un match digne d'un capitaine finalement. Ça tombe bien parce qu'il avait le brassard autour du bras. Patrice qui nous dit « J'ai trouvé Briançon très bon et très juste dans ses interventions. Je suis plus mesuré sur Mboukou qui a été transparent. » Et ça, c'est des avis que Céline et Leïla partagent. Okay. Leïla qui nous dit « Mboukou un peu en dessous sur ce match. » Et Céline qui nous dit que Mboukou a été un peu trop brouillon selon elle. Nadé est bon, quelle que soit la charnière, en défense centrale, c'est à noter, une belle progression. Quelque chose que valide également Nico Saint-Paul. Mon AD est énorme. Dalloglio a tout compris. Il manque juste un arrière gauche, selon lui, évidemment, parce qu'on a bien compris que Dio 42 n'appréciait pas forcément beaucoup Léo Petro. Et enfin, sur YouTube, il y a Papi Attitude, pardon, qui vient d'arriver, qui, juste pour reprendre depuis le début, nous dit que ce qui commence à être pas mal, c'est que même si on doit passer par les barrages, on les jouera avec quand même des certitudes sur ce qu'on est capable de faire. Il y a Yannick qui abonde dans l'autre sens en disant qu'on peut avoir quand même beaucoup de regrets parce qu'on aurait pu être mieux au classement. Et il n'y a pas dit Attitude qui répond en relativisant, en disant on n'a pas perdu 6 mois, on a perdu 5 matchs d'affilée. Si on avait pris au moins un point de moyenne sur ces 5 matchs, on aurait 56 points aujourd'hui. Voilà. Et oui, mais avec des 6, on fait le monde. Merci, Karl.
Et je vais pas redonner la main à Hervé parce qu'il y a une variante avec des si on refait le monde et il est capable de la trouver, elle passera pas en direct celle-là. Les gars, avant qu'on. Et je vois qu'il y a pensé. En tout cas, avant qu'on passe au tour des stades de Ligue 2, est-ce qu'il y a des derniers plutôt points individuels peut-être ou des points positifs ou des points négatifs sur ce match que vous voulez faire remonter, Hervé, avant qu'on passe sur autre chose ? Bon, on a fait un petit peu le côté un petit peu, je dirais, point positif. Moi, ce qui me dérange un petit peu, entre guillemets, et qui a été un petit peu en partie balayé ce week-end, moi, je trouve que l'équipe, malgré tout, manquait quand même d'un petit peu d'aura, d'un petit peu de stature. Et peut-être que j'ai une mauvaise lecture d'Olivier Dalloglio, mais je trouve voilà, qu'il manque un petit truc encore. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais... On est troisième de la Ligue 2, on est sur une très très bonne dynamique depuis qu'il est arrivé au club. On a des valeurs sûres en tant que joueur, on a des valeurs sûres dans nos automatismes, etc. Mais je trouve quand même, voilà, il manque encore un petit peu de prestance, un petit peu de stature, comme pouvait l'avoir un Fred Antonetti à l'époque chez nous, comme a pu l'avoir Galtier à un moment. Le fait de se dire, voilà, là c'est acté. On va aller chercher quelque chose, on va être dans la bagarre jusqu'au bout. J'ai encore, même si ça s'atténue, moi j'ai encore, voilà, je mets encore, et pourtant Dieu sait que ce n'est pas mon habitude, mais j'ai encore quelques petites craintes, quoi. Voilà. Moi, il me manquerait vraiment un côté de ouais, un truc gros costaud de la Ligue 2 qui assomme tout le monde. Je trouve qu'on a encore quelques petites faiblesses. Ça me gêne encore un petit peu, même si je le redis, entre le match d'Auxerre qu'on gagne vraiment en solide avec des faits d'arbitrage, mais voilà, on n'en parle plus, et puis ce match de ce week-end à l'extérieur contre la Lanterne Rouge qui a peut-être la dernière cartouche à passer pour se sauver, ça me rassure un peu. Moi, voilà ce qui me manque encore, le fait d'être vraiment là, posé en patron. Si le prochain match, on le gagne encore une fois grâce à notre habileté sur coup de pied arrêté et grâce à un exploit individuel, là, je dirais, ok, là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour aller au bout, quoi. Ouais. Elias, un dernier point sur ce match, avant qu'on passe au tour de stade ? Non, rien à rajouter. Ah, je suis juste pas d'accord avec Hervé sur Dalloglio. En conférence de presse, c'est quelqu'un, je trouve, qui a un franc parler. Et on lui a posé la question après le match... Oui. S'il était en position du chassé, il a dit non, je suis chasseur d'Auxerre maintenant. Donc ça prouve que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui voit son groupe fort, et je pense qu'il sait que son groupe est fort, et qui lui a donné toutes les clés en main. Donc moi je ne mets pas trop de réserve sur Dalloglio, je trouve que c'est l'homme de la situation pour l'instant, et j'espère qu'il va réussir son taf. Parce que ce qu'il nous a apporté là, c'est vraiment c'est top, hein. On voit quand même la différence du changement de coach quand même. Ouais, il y a quelque chose qui se dégage en tout cas de ce groupe depuis qu'Olivier Dalloglio est à la tête de celui-ci. Messieurs, on va faire le tour de stade un peu de ce qui s'est passé ce week-end, alors que pour l'instant Auxerre est en train de gagner 1-0, hein, pour votre information. Vous me dites dans le chat, hein, si ça change d'ici là. Hervé, en off avant l'émission, avant qu'il disparaisse pour des problèmes techniques, nous disait que son week-end aurait pu être parfait si Angers n'avait pas renversé la vapeur en deuxième mi-temps. Nous, on s'est rendormi en deuxième mi-temps, eux se sont réveillés en deuxième mi-temps. C'est la petite épine du week-end, Hervé ? Oui, petite épine du week-end, parce que après, alors en même temps, ça aurait été presque trop beau, j'ai envie de dire. Oui, ça aurait été. Le fait qu'on gagne, voilà. Ça aurait été là pour le coup trop beau. Et c'est à chaque fois que c'est trop beau qu'on se prend les pieds dans le tapis depuis 2, 3, voire 4 ou 5 saisons à Saint-Dé. Donc ça met entre guillemets un petit peu les pieds sur terre. Il vaut mieux ça qu'ils nous remettent un petit peu les pieds sur terre qu'une déconvenue sur le terrain de Valenciennes. Et puis en même temps, Angers, on est à 2 points derrière eux. Il y a quelques semaines, ça, je crois qu'on accusait 14 ou 16 points de retard. Donc même s'il reste devant nous, même si c'est avec un scénario de match un petit peu, alors pour eux excitant, mais pour nous un petit peu décevant, ça peut être grisant, faut quand même mesurer le chemin parcouru.
Ouais, voilà, faut quand même voir le chemin parcouru. 16 points de retard il y a 5 ou 6 matchs, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 points derrière eux. En plus, une équipe contre qui on a fait le max de points, puisqu'on les tape à Geoffroy Guichard 2-0 pour un des meilleurs matchs de la saison, et on va les taper chez eux 3-0 pour, là aussi encore, un des meilleurs matchs de la saison. Donc voilà, ils sont devant nous. S'ils font le sans faute et que nous aussi, ben, on restera derrière. Il faut voilà. Mais encore, moi, j'insisterai plus sur le côté, le retard qu'on a. C'est même pas qu'on l'a gommé, quoi. C'est qu'on l'a fait fondre, on l'a avalé, on l'a digéré. Si en plus, au final, on est devant eux, ça sera que plus beau. Mais le chemin parcouru jusqu'à maintenant est déjà au top, quoi. Il y a quand même eu des signes de fébrilité de leur part, parce que leur première mi-temps est vraiment... Ils reviennent à 2-0 à la pause, je crois. Concarneau gagnait 2-0 à la mi-temps, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Mais bon, l'avantage pour nous, au moins, c'est qu'ils ont peut-être assommé Concarneau avant le match de ce week-end. Ça sera peut-être une bonne chose. Elias, ouais, vas-y. J'ai juste à signaler que la prochaine journée, il y a quand même un Angers-Laval qui se dispute et qui peut justement être déterminant pour nous aussi si on arrive à faire un résultat contre Concarneau. Et surtout que je pense que c'est ce match qu'il va falloir suivre après à 19h, après notre match à nous. Et oui. Surtout que nous, on joue à 15h, on joue Concarneau, on joue à domicile à guichet fermé pratiquement. On joue à 15h avant Angers, et avant le Angers-Laval, et on joue Concarneau qui reste sur 6 matchs sans victoire. Donc, en fait, si tu gagnes, tu mets une petite pression à Angers qui joue Laval. Même si Laval, ils ont un petit trou là, ça reste une équipe solide. T'es pas quatrième pour rien en Ligue 2. Angers, alors peut-être que cette victoire à Concarneau va les rebooster en disant, bah, vous voyez les gars, on est capable d'être mené 2-0, de revenir au score à l'extérieur, d'aller gagner le match. C'est un signe du destin, on va monter, etc. Peut-être. Mais en tout cas, là, ce week-end, t'as une occasion en or pour mettre la pression sur Angers. Après, ils gagnent, ils font le taf contre Laval, bah, bravo à eux. Et puis, on restera collé à eux. Mais nous, il faut d'abord qu'on fasse le taf, nous. Et ce qu'on doit vraiment faire, c'est aller chercher juste une victoire. Parce que 6 matchs sans victoire pour Concarneau, c'est vrai que ça joue le maintien, alors ils vont être motivés aussi à prendre des points à Geoffroy Guichard. Mais t'as un stade plein, t'es dans une période incroyable, donc t'as pas le droit de laisser passer cette chance. Et oui. Et Nous, en plus, on peut faire contre Concarneau, pardon, ce que Angers a fait, à savoir leur marquer 3 buts. Par contre, on est plutôt capable aussi, à mon avis, de ne pas en encaisser des buts contre eux, quoi. Donc voilà, il va falloir là aussi être costaud. Et Angers s'est fait peur face à Concarneau. Nous, il ne faut pas qu'on se fasse peur. Il faut que. Bah, voilà, surtout à domicile. Nous sommes d'entrée de jeu. Ah, bah, oui, à domicile. Voilà, à domicile. Donc, Angers, dans une période très très délicate depuis quelques matchs, là, ils ont eu un petit sursaut d'orgueil. J'ai envie de tempérer. On le fait souvent avec Saint-Etienne, et d'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord avec ça, de dire « oui, mais Saint-Etienne, ils ont gagné contre une équipe trop, trop faible, etc. » Bon, là, pour le coup, je prends cet argument-là pour notre rival direct à la deuxième place, Angers. OK, ils renversent un match où ils sont menés 2-0, mais c'est face à Concarneau, quoi. Ils font pas ça, justement. S'ils font ça contre Laval ce week-end, là, OK, pas de souci, ça voudra dire qu'ils se sont réveillés et qu'ils vont être là et que ça va être dur d'aller les chercher. Mais là, c'est contre Concarneau. Alors, j'espère que Concarneau ne va pas me faire ravaler mes paroles le samedi. Mais attention, Hervé. Mais bon, voilà. Angers, je les sens pas forcément guéris encore. Il y a Karl qui veut passer la main de sa stade de chat noir. Si tu commences à nous porter la guigne comme ça, ouais, à nous mettre l'œil, il va se faire un plaisir de t'attraper au vol. Hein. on va quand même en garder un petit peu sur le match contre Concarneau, parce qu'on a quand même une petite rubrique là-dessus après, les gars. Karl le disait, il y a le Angers-Laval la semaine prochaine. Laval qui manque un peu de rythme en ce moment, Laval. Il reste sur 2 défaites d'affilée. Est-ce que je vais vous poser une question qui là aussi est peut-être un peu risquée, il faut peut-être falloir s'avancer un peu. Est-ce que le top 3 et quand même très très bien embarqué, Hervé. Bah, en tout cas, à l'heure actuelle, oui, le top 3 est quand même... Sachant qu'on a, plus, on a 3 points d'avance et 10 buts sur la différence. Donc quasiment un point de... Voilà, point, la différence de buts, et ça fait, voilà, ça fait très longtemps que la différence de buts, on n'en parlait pas comme ça à Sainté, oui. Elle va peut-être valoir un point de plus, hein, comme on dit. Donc oui, en plus, encore une fois, on ne peut pas parler du classement à l'instant T, le classement figé.
sans parler vraiment des dynamiques. On a une dynamique qui est pour nous. Il y a eu ce match face à Dunkerque qui a remis un petit peu les têtes à l'endroit, tellement on avait été bidon sur ce match-là. Même si derrière, Dunkerque a eu une série assez impressionnante. Mais ce non-match-là qu'on avait fait, en fait, j'ai l'impression que ça a été vraiment le déclic et le détonateur pour Dalloglio. Donc nous, on a une dynamique vraiment très très positive. Il faut continuer, il faut rester sur ce qu'on fait de bien, pas avoir de regrets. Donc voilà, non, faut vraiment rester dans cet état d'esprit là. On a des armes maintenant, on a vraiment des valeurs sûres, comme on l'a dit tout à l'heure, les coups de pied arrêtés. On a Cardona qui fait vraiment une demi-saison de feu. Sissoko qui, depuis qu'il est revenu de la CAN, continue à planter, beaucoup plus investi. Enfin voilà, on a un petit peu tous les feux sont ouverts. L'Arseneur reste impérial. La solidité défensive, on se disait combien de temps ça dure. Et puis finalement, ça dure depuis un bon petit moment. Donc voilà, on marque plus de buts également qu'à une époque. Donc il faut vraiment rester là-dessus. À minima, il faut rester accroché à cette troisième place. Comme je l'ai déjà dit, si Angers est devant nous, c'est qu'ils n'auront pas volé. Mais par contre, nous, maintenant, il faut qu'on reste accroché à cette troisième place. Et toute autre place que la troisième serait encore plus décevante, quoi. Elias, on a quand même dans le calendrier Grenoble qui est pas dégueulasse, Bordeaux qui peut toujours être un peu piège, Ajaccio, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas, Caen qui est en pleine bourre, Guingamp bien placé, Rodez top 5. Rodez qui est un des rares clubs à suivre la cadence qu'on impose. Il est pas cadeau quand même ce calendrier. Ouais, mais quand tu regardes, il est cadeau pour personne. Hein. Angers, Laval, Grenoble, Guingamp, Pau, Paris. Dunkerque qui est en forme, Paris, Laval, Angers, Pau, Auxerre, Bordeaux, Caen, Guingamp. Ouais, c'est une Ligue 2 assez homogène, bon, homogène dans la faiblesse, moi je trouve. Mais oui, c'est un calendrier qui est à part peut-être un peu Auxerre. Ouais, ils ont Laval, Rodez. Ouais, c'est voilà. Mal, hein. Mais moi je trouve que troisième ou cinquième ce sera pareil parce que tu seras au-dessus des deux autres équipes qui joueront les barrages. Alors oui, tu auras plus de matchs si tu finis cinquième que si tu finis troisième, et en plus tu n'auras pas l'avantage du terrain. Mais après, être barragiste, il n'y a que deux barragistes dans l'histoire de la Ligue 1 depuis le changement de format qui sont montés. C'est trois, la première fois qu'ils ont été barragés, la première année du barrage contre Lorient, et Auxerre qui nous a tapé nous. Donc pour moi, là, être barragiste, ce sera pas un cadeau. Je serais pas satisfait d'être barragiste parce que tu vas tomber contre une écurie de Ligue 1. Le classement de Ligue 1 là, pour le maintien est assez serré. Donc je sais pas qui ce sera, mais c'est des équipes qui sont supposées être bien plus fortes que nous, qui ont eu des investissements l'été dernier en croyant qu'on va avoir le milliard pour la Ligue 1. Donc il y a beaucoup d'équipes qui ont bien investi sur le mercato, des sommes bien plus conséquentes que nous ce qu'on a investi, c'est-à-dire rien. Et donc pour moi, faut vraiment tout faire pour aller jouer cette deuxième place. Après, si Angers fait le taf, bah bravo à eux, mais il faut que nous on fasse le taf d'abord. Et espérer un faux pas d'Angers. Et moi, je pense qu'il y a une possibilité d'aller chercher cette deuxième place et qui serait l'objectif à minima de l'équipe. Être barragiste, pour moi, c'est trop piégeux, trop incertain. Et oui, et je pense que vous avez tous les deux raison. Je pense qu'il faut se donner le maximum de billes et puis ne pas avoir à regretter ce qu'on a fait sur le pré-sprint final. Je pense que si on devra faire les comptes à la fin et s'il nous manque quelques points, ils seront peut-être perdus à domicile en début de saison. Je vous laisse regarder l'historique des matchs. C'est assez alarmant le nombre de points bêtes qu'on a perdus en début d'année. Karl, le chat, avant qu'on passe au match de Concarneau. Oui, écoute, bah, évidemment, tout le monde a cerné le match de la semaine prochaine comme... Le match entre Angers et Laval la semaine prochaine comme un enjeu décisif même pour nous. J'ai vu Jo42 qui a tenu à rappeler quand même que Laval était très bon. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe à l'extérieur en attendant le match d'Angers ce soir. Mais donc, c'est aussi une donnée à prendre en compte parce que le match a lieu à Angers, justement. C'est Céline qui croit savoir que la lutte va être serrée jusqu'au bout. Il faut prendre la deuxième place et ne plus la lâcher. C'est la semaine prochaine que ça risque de se jouer. Il y a Patrice qui signale, comme vous l'avez dit, que de faire attention quand même à Rodez qui est en très grande forme et qui suit notre rythme.
et qu'on aura l'occasion de jouer justement à l'avant-dernière journée. Il va falloir faire jouer à fond toutes les mi-temps restantes et espérer un faux pas des Angevins pour finir sur le podium. Après, c'est ce camp, on saura qui sera deuxième après la semaine à trois matchs, effectivement. On aura trois matchs à la suite quand Guingamp Rodez, ce sera très certainement le tournant, ouais. Ça c'est Patrice qui abonde dans le sens. Il y a Josh qui nous dit avec un ton un petit peu vindicatif, qui le caractérise, tonton. Barragiste, on a zéro chance, réveillez-vous. Et sinon, sur YouTube, pardon, il y a Franck avec son optimisme légendaire qui nous dit ils vont laisser des plumes en G, etc. Et nous, on va laisser des miettes uniquement. Voilà, j'espère que tu dis vrai, Franck. Sachant que le barragiste de Ligue 1, si le classement restait figé à la journée là, de ce week-end, ce serait Lorient. Je pense qu'il y a encore un écart entre Lorient et les barragistes de la Ligue 2. Messieurs, on va quand même parler du match contre Concarneau, parce qu'il y a des choses à dire, je crois. Active Synthé Night Club. Le prochain match. On en a un peu parlé en filigrane de toute l'émission, la réception de Concarneau. Un peu de, quand on voit les dynamiques, un peu d'optimisme et de rigueur, on se dit que quand même, ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour perdre contre Concarneau. Mais quand on se penche un petit peu sur historiquement là où les Verts nous ont le plus souvent déçus, c'est quand on avait des matchs supposés faciles. Alors messieurs, je vous pose la question, avec un Geoffroy Guichard qui va être plein à craquer de ce que j'ai entendu, la victoire est-elle obligatoire, et si oui, même avec, je vais même en rajouter, avec la manière, Hervé. Bah, oui, ça c'est évident. Après, on a déjà eu dans la saison des périodes où on était plutôt pas mal et où on pouvait enfoncer le clou à la maison et où on le faisait pas, et en plus de pas le faire, on perdait en livrant un match insipide. Là, le match insipide, même si on a eu une deuxième mi-temps, on l'a déjà dit, un petit peu terne. Encore une fois, on avait deux buts d'avance, peut-être qu'à 0-0 à la mi-temps, la deuxième mi-temps, on est encore meilleur que ce qu'on a été en première. Peut-être que les joueurs voilà, ont un petit peu dans la tête le sprint final lancé, qu'ils ont un peu levé le pied en deuxième. Mais là, effectivement, sur un match comme ça, face à une équipe qui a gagné 9 matchs depuis le début de la saison, qui a moins de 12 en différence de but, qui n'a pas de résultats référence à l'extérieur et en Ligue 2 tout court, il faut là pour le coup enfoncer le clou un petit peu à la manière, je dirais, de ce qu'on avait fait face à Troyes il y a quelques semaines, quoi. C'est-à-dire où on les prend d'entrée de jeu à la gorge, et puis si on peut en mettre 2, 3, 4, 5, qu'on aille au bout du bout à la maison. Après voilà, c'est à la maison, c'est stade à guichet fermé, donc oui, il faut faire honneur au public, honneur à notre classement 3e de Ligue 2, et puis taper du poing en disant voilà, on est là, et maintenant eh bien, il va falloir arriver à Sainté avec beaucoup d'arguments pour nous faire déjouer, pour nous battre, parce que voilà, parce que nous on va essayer d'assommer tout le monde, quoi. Et puis attention, Hervé Concarneau, c'est une équipe qui certes encaisse énormément de buts, mais par contre qui plante pas mal, ça, deux buts contre Angers, oui, deux, qui buts contre pas mal, mais... deux buts contre Dunkerque, ça plante, oui ça plante, je suis d'accord, mais par contre nous on a quand même aussi cette solidité défensive, on est meilleure défense de Ligue 2. Bon, mais voilà, là où Concarneau a réussi à planter face à des gros calibres de cette Ligue 2, nous on est, en termes défensifs, on est un petit peu plus qu'un gros calibre. On est le gros calibre de la Ligue 2 défensivement. Donc, voilà, Concarneau, il faut qu'il se casse les dents sur notre défense et qu'il voit la différence justement entre la meilleure défense de Ligue 2, Sainté, et puis les 3e, 4e, 5e ou 6e défense du championnat contre qui ils ont réussi à marquer. Mais de voir que là, face à Sainté, la marche est encore un petit peu plus haute pour aller les inquiéter, pour leur marquer des buts. Elias, est-ce que tu es d'accord avec ce constat contre une équipe qui va jouer, pareil, encore une fois, comme Valenciennes, une de ses cartouches très importantes pour la survie ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hervé. Et moi, je rajouterais une chose, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on y voit la manière dans cette victoire, parce que la dernière fois qu'on a reçu une équipe luttant pour le maintien, c'était Annecy. Et le match contre Annecy, c'est un de nos plus mauvais matchs de l'ère d'Aloglio, je dirais. Enfin, de notre bonne période, quoi, dans le contenu.
Après, j'espère vraiment que la seconde période contre Valenciennes, c'était que de la gestion et pas un petit coup de mou, que ce soit physique ou même mental, ou du laisser aller. Et que, comme l'a très bien dit Hervé, il faudra faire comme contre 3, les prendre à la gorge tout de suite, essayer de marquer le plus tôt possible, de se mettre à l'abri, et quitte à en mettre 3, 4, 5, ne pas se faire plier. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Hervé. Nous, on a une solidité défensive qui laisse à penser qu'au même face à une équipe qui marque beaucoup de buts, on est capable d'avoir du répondant dans le domaine défensif. Et en ce moment, on marque beaucoup de buts nous aussi. On est allé en mettre 4 à Bastia. C'est pas rien d'aller gagner 4-0 à Furiani. Donc, à voir. On verra bien. Je pense qu'il y aura peut-être des changements tactiques ou peut-être pas du tout. Peut-être qu'il reconduira la même équipe. Mais voilà, il faut gagner. Et gagner avec la manière, ça nous lancerait très bien pour le sprint final. Comme je l'ai déjà dit, on va tomber sur des adversaires très solides après. Donc ça peut encore plus permettre d'engranger de la confiance. Est-ce que, on a parlé tout à l'heure des joueurs qui avaient intégré le turnover, est-ce que tu leur accorderais encore ta confiance ce week-end, Elias ? Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à la compo de ce week-end ? Après, j'ai pas regardé Concarneau ces derniers temps, donc je sais pas trop comment ils évoluent. Je sais qu'au match aller, j'avais trouvé que c'était une équipe très joueuse, qui relançait derrière, etc., qui mettait un jeu de possession en place. Alors, qui ne mettait pas un gros pressing, je crois qu'ils étaient en bloc médian, etc. Donc on pourrait laisser l'équipe en place, peut-être mettre Batubinsika à la place de Briançon ou Nadé, je sais pas. Mais non, je partirai. Après, il y a une suspension, c'est Masson. Alors, ça va être une petite question à se poser, c'est qui va prendre le relais sur le flanc droit. Est-ce qu'il va basculer un Mouefé qui a déjà joué dans cette position à ses débuts pro, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas évolué à ce poste, qui va passer à une défense à 3 vu qu'il a 3 centraux performants, et mettre un Cafaro piston droit ou quelque chose comme ça. Je sais pas où on va aller, mais ça me rend curieux, donc à voir. Hervé, niveau compo, est-ce que tu changerais quelque chose ? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui me paraît pas vraiment adapté à un match à la maison où il faut qu'on aille de l'avant et qu'on soit très haut sur le terrain, c'est un petit peu Tardieu. On serait en déplacement chez un gros du championnat, je remettrais Tardieu. Tu remets comment conduit ? Mais là, au vu de... Ouais, là, je remettrais mon conduit. Aime beaucoup, moi, m'a pas franchement convaincu. À la limite, ça serait là les petits changements. Mais après, pour revenir, si on passe sur une défense à 3 avec 2 pistons et qu'on fait un super match, je pense que notre petit Lolo Batless aura encore plus la paire de boules, si vous me permettez l'expression. Mais en plus, je ne sais pas si c'est sur ce match-là que Masson va purger sa suspension. Je ne suis pas certain, mais en tout cas, ouais, moi, je remettrai mon conduit et Cafaro. Ok. On va passer au SNC Challenge, mais avant de vous régaler avec un quiz qui va faire trembler les grands et les petits. Tu promets. Oui. On va quand même pas demander à Karl ce que le chat pense de ce match contre Concarneau. Dans le chat, j'ai vu un commentaire disant qu'effectivement, Concarneau marque beaucoup, mais nous, on a la meilleure défense et de loin, il ne faut pas l'oublier. Meilleure défense et largement, c'est Joe 42 qui le dit. Ce n'est pas nous qui sommes sous pression, mais Auxerre et Angers. Olivier Dalloglio fera le reste, c'est marqué sur l'emballage. Le goal average est important, il faut marquer 3 buts samedi minimum pour Joe 42. Aucun adversaire n'est très solide défensivement en Ligue 2, mis à part nous. La défense à 3, non merci. Il y a même beaucoup meilleur quand il rentre, je trouve, ça c'est Joe 42. Et à Gap, qui nous rappelle que Masson sera suspendu contre Ajaccio et pas contre Concarneau. Voilà. Ok, c'est peut-être pas plus mal, j'ai envie de dire. Même si, attention au déplacement, en terre corse. Messieurs, il est l'heure de ce dont tout le monde rêve, hein. C'est un duel au sommet, entre deux des cadors, des prétendants au titre de ce SNC Challenge. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, on pose des questions toutes les émissions de l'année à nos chroniqueurs, et 4 questions par émission, et celui qui a la meilleure moyenne de points à la fin de la saison empochera tous les revenus
que le SNC a généré cette année pour l'association de son choix. Hervé joue pour Prisme 21 Loire et Elias pour la Société Protectrice des Animaux. Deux très belles œuvres, mais ils vont devoir se départager ce soir et faire un heureux et un malheureux. Messieurs, vous connaissez les règles, je vais poser des questions, vous dites votre nom pour prendre la main, et c'est ainsi que ça sera départagé. On va commencer par une citation. Je vais vous citer la personne et vous m'interrompez dès que vous avez la réponse. Qui a dit « Je suis très content de ma prestation, mais ce qui prime, c'est la victoire de l'équipe. C'est toujours important d'être décisif et je le suis en ce moment. » J'ai beaucoup de confiance en moi et le coach me fait confiance. J'essaie de lui rendre. Elias. Hervé. Elias. Cardona. Non. On a besoin des autres pour performer, moi y compris. Et je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je prends beaucoup de confiance et de responsabilité et ça se voit. Tous les joueurs ont besoin de régularité. Hervé. Oui. Hervé. Oui, vas-y Hervé. Chambaud. C'est Dylan Chambaud. Chambaud. Exactement. Exactement, c'est Dylan Chambaud. Premier point pour Hervé. Je vous lis la suite de la citation parce que c'est très intéressant ce qu'il dit Chambaud. Tous les joueurs ont besoin de régularité. Là, j'ai la chance de pouvoir enchaîner les matchs et vous savez comment ça se passe. Plus on enchaîne et plus on prend la confiance sur le terrain. C'est ce qui m'est arrivé en plus du discours du coach qui me fait confiance. Je pense qu'on arrive à jouer différemment dans les temps forts et dans les temps faibles. On parvient à poser le jeu dans le camp adverse. Aujourd'hui, c'était une deuxième mi-temps un peu moyenne, mais on a su poser le jeu et être costaud et on enchaîne avec une victoire. On aurait pu juste dire la citation de Chambaud en début d'émission et il aurait tout débriefé pour nous. Premier point pour besoin de faire une heure d'émission. C'est incroyable, pourquoi on s'embête? Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les citations d'après-match sur les très bons sites Peuple Vert. On va faire un haut plus proche pour équilibrer un petit peu, pour donner des chances à tout le monde. La dernier match contre Concarneau, qu'on avait gagné 1-0 là-bas, ce serait trop facile de vous demander qui avait marqué ou même la minute du but. Donc ce que je vais faire, c'est vous demander au plus proche combien de spectateurs il y avait à Concarneau au match aller. Et c'est Hervé qui a la main, donc c'est Hervé qui va dire en premier. 13 576. Tu m'as dit combien, pardon? 13 576. Ok, Elias. Je dirais 5 000. Ça va aller pour Elias, puisqu'il n'y avait que 6010 personnes à Concarneau. Oh. Très petite affluence. C'est quoi Concarneau? Non, je pense que c'est un stade municipal, peut-être. Non, en plus, il joue dans trois stades bretons. Ah oui, c'est vrai. Il joue au Moustoir, il joue au Roudourou, et je ne sais plus le troisième. Mais je crois qu'on avait joué contre le Moustoir. Il joue dans des bourriches d'huîtres, quoi. C'est ça. Il joue dans des bourriches d'huîtres, les gars. Quoi. C'est pas possible. C'est beau. Un partout, le match est tendu. En fait, je me suis ravisé, les gars. Je vais vous demander, c'est Elias qui va prendre la main, à quelle minute Sissoko a marqué au match aller? Putain, c'était... Je vais dire la... 70e. Hervé? Oh là là. Franchement, 76. Alors là, je suis embêté. Vous allez tous les deux avoir le point, puisque c'est la 73e. Vous allez tous les deux gratter un point. Bravo les gars, 2-2. Non, mais il faut. C'était un des scénarios possibles pour cette question. Vous l'avez fait, bravo. Du coup, pour vous départager, du coup, c'est bien, parce que du coup, on est sûr qu'on aura un gagnant et un perdant. Je vais vous demander un qui suis-je, les grands classiques. Préparez-vous, ça va aller très très vite, je pense que vous allez l'avoir très très vite. Je suis un international français, né le 3 avril 1979 à Colombes, dans le 92. Je suis un défenseur central qui commence sa carrière à Saint-Té en 96, club dans lequel je resterai jusqu'en 98 avant de rejoindre l'Inter Milan, où je ne m'imposerai jamais. Elias. Oui, Elias. Elias, Zoumana Camara. Eh oui, c'est Zoumana Camara, Elias, bravo. Mais... Oh, je termine l'émission comme je l'ai démarré. Avec un problème technique. Oh non, Hervé, le problème technique qui le fout dedans. Tu l'avais, Hervé? Je suis deg. Tu l'avais avant? Mais oui, Hervé, je l'avais. Ouais. Je l'avais en même temps, quoi. Ah là là, c'est dommage. Mais l'un dans l'autre, avec votre égalité sur le but de Sissoko, tu ne peux pas perdre trop de points. Ouais, ça va. Tu vas lisser un peu ta moyenne. Et Elias, lui, va bien monter. Ça me fait moins mal que si j'avais perdu contre l'autre fumerole de Josserand.
Eh bien, écoutez, on l'embrasse. Je l'embrasse. On l'embrasse, Joss. J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat. En tout cas, on a fini pour cette émission, messieurs. C'était très sympa d'échanger avec vous sur ces matchs-là. Me reste à vous embrasser, vous, le chat, les auditeurs, notre cher Karl, qui, on ne le répétera jamais assez, est un rouage essentiel à notre émission, malgré qu'il reste dans l'ombre du chat. Voilà. Est-ce que si vous avez autre chose à dire, messieurs, sinon je vais rendre l'antenne à part le traditionnel aller les verts. Est-ce que vous avez Karl, on t'aime. Karl, on t'aime. Elias, un dernier mot. On aime Karl parce qu'il faut le dire, et c'est vrai. Alors même si on le dit depuis de plus en plus dans les émissions, ce qui fait Karl pour l'émission, pour enfin voilà, c'est bravo Karl, parce que si lui n'y était pas, les burnes comme nous, on peut se faire remplacer, mais Karl, ça serait plus compliqué. Ok, merci à Hervé aussi qui a fait un remplacement de dernière minute aujourd'hui. Elias, un dernier mot avant qu'on rende l'antenne. Ouais, si, Karl, on aime tes cheveux aussi, t'inquiète pas. Et oui, malgré tout, on les aime. Et dis-toi que dans l'équipe, il y en a plein qui rêveraient de les avoir. On vous embrasse, prenez soin de vous, bonne semaine. Et allez les verts, ciao. Allez, ciao, allez les verts. Allez, salut, allez les verts.